et si c'est chez nous. Colos Bantu. Défaut premier, notre prochain invité, Amel Fora. Oui, on l'attendait avec impatience. Hein. Défaut premier, bienvenue sur le plateau de Bantu. Toi-même, tu es Bantu. Hein. Je suis Bantu. Merci beaucoup pour l'accueil. C'est vrai que ça n'a pas été à 100% parce que quand on accueille un président, le plus souvent, les gens se lèvent. J'ai vu des réalisateurs à genoux, je ne sais pas pourquoi. Mais cette casquette, c'est Dieu qui me l'a donnée. Je suis le président autoproclamé des touristes. On n'achète pas le titre de président. On est président, on ne devient pas président. Bonsoir à tous les téléspectateurs de l'émission Bantu. Et surtout, bonsoir à tous les téléspectateurs de la LTM, la chaîne qui n'est pas montée, mais qui est au sommet. Suprême, ce matin. Oui. Je voulais demander une question de vos premiers. Vas-y, monsieur le maire. Il y a débat. Oui. Il y a sur un podium le président américain, le président tchadien, le président russe, et tu vois le président du Tchad venir. Qui va se lever? Défaut. C'est une question que j'ai demandé. Je peux préciser la question. C'est-à-dire que tu as une cérémonie. C'est un manque de respect. Où tu vois un défaut. Le président russe est assis, le président américain est assis, le président français est assis, et le président tchadien arrive. Les trois autres présidents, est-ce qu'ils vont se lever? Je voudrais dire à certains présidents qui sont plus puissants d'apprendre à accueillir les tout petits. C'est un exemple, même pour les enfants qu'on éduque à la maison. On peut être François Fillon, on peut être Giacomoni, on peut être tout. Mais quand on accueille un tout petit, on se fait petit aussi. On se fait petit, c'est un exemple. Tu as répondu aux questions qu'on t'a demandé. On a dit que quand le président là est là, le petit président là de Tchad, s'il vient, qui va se lever, on peut t'accueillir en te tendant la main. De bonne arrivée. En faisant quoi? En te tendant la main. Non, pas tendance. Ce n'est pas la tendance. Personne ne m'a envoyé ça au classe. Non, je voulais juste. De ma foi. Je voulais aider. Laissez-lui venir avec la brutalité, j'ai pas peur de ça. Pas brutaux, s'il vous plaît. Il n'est pas ça, brutaux. C'est un exemple élémentaire. Qu'est-ce qu'il arrive à monter qui n'est plus président de qui? Donc moi qui est le président tchadien, je n'ai pas de valeur. Quelle valeur, tu es invalorisant. Devant moi, tu es invalorisant. Et c'est toi qui es valorisant. Je suis invalorisant parce que le premier... Monsieur le sénateur, faites quelque chose. Il n'y a pas quelque chose à faire. C'est qu'ici, là, il y aura confusion sanguine. Le je vous demande de faire comprendre. Attends, il parle. Non, que tu sois président. S'il te plaît, défaut. Mais parce que ça me tensionne. Non. Tant pas, je vais te donner un tensionnom. Je te vais avoir dit donc, tu es qui? Monsieur le maire. Que tu trouves, même si tu es le président de l'Inepo, tu trouves un président qui est plus que toi, même au large, tu vas lui donner la respect. Monsieur Moutou, tu comprends? Mais vous m'avez coupé, vous le laissez parler. Non, monsieur le maire. Parce que les conditions sont terribles. Non, attends. Monsieur le maire. Okay. Pourquoi il m'étouffe? Défaut, parle maintenant. Tu as la blessure. Vous êtes le président d'où? Tu as la blessure. Tu es le président d'où? Tu as la blessure de t'étouffer. Vous non, vous défaut. Laisse. On va régler ça après. Oui. On ne t'entend pas, parce que c'est autre chose. Tu n'es pas venu ici pour les querelles des présidents. Tu es venu ici en mission. C'est ses cheveux blancs que je respecte. Il oublie qu'il n'a plus le même souffle que moi, le président tchadien. C'est même pas les cheveux blancs, je suis seulement passé au port. En portant la farine, avant ça, blanchait. Un président qui porte la farine. C'est pour ça que c'est blanc. Tu dois avoir un peu de humble. C'est pour ça que je suis une personne. Humble. Humble. Une personne huée. Contradit. Suprême, monsieur, demandez-lui toutes les questions que tu veux. Voilà. Maintenant, on peut continuer l'émission. Monsieur le maire, on peut continuer l'émission. On peut continuer. Tu veux m'avancer les paroles déplacées, on règle avec les mains. Parce que chez moi, je ne connais pas ça. Ah, on règle ça avec les mains. Je t'ai coupé la convocation. Hein. Je ne joue pas. Je te mets hors d'état de nuit. Nous savons comment ça se passe. On peut monnaie. Tu monnaies. Tu coupes la convocation, je peux monnaie. Va monnaie, tu vas voir ce que ma mère va te faire. Le petit marche au mur là. Crancle là. Crancle là.
Monsieur le sénateur, oui. On peut continuer l'émission. Oui, enfin, parce que moi, j'ai peur. Depuis, hein. Parlez de moi. Non, il faut laisser monsieur le maire. Vraiment, il fait son doigt comme ça, ça me touche le front. Si tu ne peux pas ton nez, tu vas perdre la dent. Fais le doigt comme ça, ça me frôle. Non, fais un Une adulte a tranché dents. Je vais t'enlever mes nefs. Un coup. Enlève-moi une fois tous les dents dans ma bouche. Monsieur le maire, qui n'aime pas, qui va verser le sang de qui? Il va avoir transfusion sanguine. Que ça soit même transfusion sanguine. Ça va, monsieur le maire, ça va. C'est notre invité, monsieur le maire. Monsieur le maire, c'est notre invité. Ça va, monsieur le maire. Il m'a énervé, Fais-je couvrir, monsieur. Ça va, non, monsieur le maire. On peut refaire la paix, faire l'émission. Je considère que je suis président tchadien. Tu es plus fort. On peut faire la paix. Et on avance. Il demande la paix, monsieur le maire. Tu peux même donner quelque chose pour ça. Voilà. Il faut d'abord donner. Nous savons que votre pays, si ça ne va pas aller comme ça tous les jours, Prends. Belle leçon. Hein? Tu es plus fort. Belle image. Merci beaucoup. Belle image. Ouais, la jambe est...